le tri. Et si tu le faisais? Salut, moi c'est Eddy de ProTri. Stop! Les poubelles débordent! Dis, chez toi, est-ce que tu tries? Oui, mais pas toujours facile de savoir quel déchet va dans quelle poubelle. 500 kg d'ordures ménagères par an, par habitant, pour 40% recyclés seulement. Compost. Déchets verts. Restes de repas. Jette-les en vrac dans le composteur de ton jardin. Il y a aussi des composteurs à disposition dans ta ville. Plastique et métal. Barquettes en aluminium, emballages métalliques et boîtes de conserve. Bouteilles et flacons en plastique. Jette-les en vrac, vidés de leur contenu, avec leurs bouchons. Si tu vois ce logo, sais que ce plastique se recycle. Papier et carton. Briques alimentaires et petits cartons. Feuilles, magazines et journaux. Livres, cahiers, enveloppes. Jette-les en vrac, vidés de leur contenu, aplatis et compactés. Verre. Bouteilles, bocaux, flacons. Jette-les en vrac, lavés, sans bouchon ou couvercle. Déchets non recyclables. Vaisselle cassée, emballage souillé, couche usagée. Jette-les dans un sac poubelle. Ils seront incinérés ou mis en décharge. Piles et ampoules. Dépose-les dans les bacs dédiés des supermarchés ou magasins de bricolage. Encombrants. Produits toxiques, huile de cuisine, électroménager, meubles, objets de décoration cassés, vieux jouets. Apporte-les dans des bennes dédiées à la déchetterie de ta ville ou à la ressourcerie. Ici, ils seront réparés. Grâce au tri, les déchets peuvent être recyclés et avoir une seconde vie. Le papier redevient du papier. Le verre redevient du verre. Certains plastiques permettent de fabriquer des pulls. Le compost nourrit les jardins. Les meubles et électroménagers sont réparés ou leurs matériaux sont réemployés. Objectif zéro déchet. Trier, c'est super. Mais tu peux aussi réduire ou supprimer tous les emballages.